qui me plaît dans la plomberie, c'est surtout le côté manuel, le côté de savoir se débrouiller tout seul, savoir construire des choses tout seul, être capable de construire une salle de bain, de construire une cuisine, de poser des appareils de chauffage. Quand j'ai commencé ce métier, la première chose que je me suis dit, c'est que je commence à l'apprendre parce que on pourrait croire que c'est un métier facile, mais il y a pas mal de choses à savoir. Quand on arrive sur un chantier, il ne faut pas faire n'importe quoi entre le gaz, l'eau. C'est ce que je me dis quand je viens au CFA, que c'est l'école, soit comme au collège et tout ça, mais ça change parce que je suis vraiment là pour apprendre un métier, quoi. Ce qui me plaît vraiment dans l'alternance, c'est le salaire. Parce que quand on a 16 ans, qu'on commence notre vie professionnelle et qu'on touche un salaire, c'est bien, c'est encourageant. On peut se permettre de faire des sorties, d'avoir un permis, un scooter. On peut avoir des activités au-delà du travail, je veux dire. Au CFA, on a des professeurs qui sont plus des formateurs que des professeurs, donc qui savent vraiment de quoi ils parlent. Dans 5 ans, je me vois à la place de mon patron, si je peux dire, quoi. J'aimerais être autonome, j'aimerais avoir mon camion et partir sur mes chantiers tout seul en fait. C'est un métier un peu physique, mais c'est pas forcément fatigant. Et c'est un métier où c'est très divers tout ce qu'on peut faire. Déjà c'est un métier d'avenir, il y a du travail dans la plomberie.